Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo complètement hors sujet puisqu'il ne s'agira absolument pas de guitare ni de musique. Je vais vous montrer comment je réalise mes miniatures pour mes vidéos sur YouTube. Alors je les réalise avec un logiciel, ce logiciel c'est Photoshop. Mais vous avez la possibilité de faire la même chose avec des logiciels qui sont en open source, notamment GIMP ou alors Krita. Je vais vous montrer ma méthode pour réaliser mes miniatures. Évidemment, il y a différents types de miniatures et différentes méthodes, chacun ayant la sienne. Alors tout d'abord, vous allez ouvrir un nouveau document. Je précise que ma version de Photoshop est en anglais, donc je traduirai les termes techniques au fur et à mesure. Vous ouvrez donc un nouveau document. Le format des miniatures, c'est le même format que les vidéos. Donc ce sera du 1920 pixels par 1080 pixels. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de trouver une photo. Alors généralement, ce que je fais, c'est que je fais une capture d'écran d'une vidéo. Pour faire une capture d'écran des vidéos, c'est tout simple et c'est très facile à faire avec le lecteur VLC. Vous ouvrez votre vidéo et ensuite vous cherchez une image qui corresponde à ce que vous cherchez. Il vous faut trouver donc une photo sur laquelle vous ne faites pas une tête complètement horrible. Voilà, donc j'ai un peu galéré pour trouver une image convenable, on va se fixer là-dessus. Pour faire une capture d'écran de cette vidéo, vous allez tout simplement dans l'onglet sur VLC vidéo, tout en bas, prendre une capture, et c'est fait. Alors l'étape suivante, ça va être d'importer la capture d'écran que vous avez réalisée au préalable dans Photoshop. Pour ça, vous allez dans Fichier, et ensuite, ici en anglais, c'est Place, donc je suppose que ça doit être Placer ou Importer. Et ensuite, vous cherchez votre image. Une fois que vous avez votre image qui est placée, vous pouvez, si vous le désirez, la recadrer ou la transformer. Pour ça, donc, il vous suffit de faire CTRL-T. Et vous pouvez... Et alors, une petite astuce, si vous enfoncez ou gardez enfoncé la touche Shift ou touche majuscule, c'est la touche avec la flèche vers le haut. Donc vous restez avec la touche Shift enfoncée et comme ça, si vous changez, ça vous permet de garder les proportions de l'image. Je vais juste l'agrandir un petit peu. Voilà, j'ai placé mon image. Maintenant, le but, ça va être de réaliser un détourage grossier, c'est-à-dire que autour de ma personne, je vais réaliser juste un tour en blanc pour, vous voyez très souvent ça dans les miniatures YouTube, pour vraiment faire ressortir le personnage, la personne sur la photo. Donc pour ce faire, vous allez créer un nouveau calque qui vient se placer ici tout en haut. Et avec l'outil pinceau, alors vous prenez un outil pinceau vraiment tout bête. Ici, je vais le faire en blanc. Alors à vous de régler la taille du pinceau, hein, si vous voulez vraiment faire quelque chose de très gros comme ça ou plus petit. Voilà, donc une fois que vous avez choisi votre épaisseur, et bien tout simplement vous allez peindre le contour du personnage sur la photo. Alors une petite astuce pour Photoshop avec l'outil pinceau. Si vous appuyez juste une première fois et que vous gardez la touche Shift enfoncée et que vous réappuyez, ça vous trace un trait droit. Et vous pouvez faire ça plein de fois en gardant la touche Shift enfoncée. Voilà. Donc ça peut être un bon outil, un bon moyen de gagner du temps. Donc c'est ce que je vais faire ici. Comme ceci. Alors c'est vraiment très grossier, vous n'avez pas besoin de vous appliquer réellement. Voilà, c'est juste pour détourer la personne. Donc je vais accélérer le processus ici.
Voilà, donc j'ai fini ici de faire mon contour autour de ma personne. Vous voyez que j'ai ici, voilà, ce contour blanc sur un calque à part entière. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais profiter du contour que j'ai réalisé pour sélectionner uniquement ce qui est à l'intérieur du contour, donc en l'occurrence c'est moi. Vous prenez votre outil baguette magique. Vous faites bien attention qu'il y ait pixel contigu sélectionné ici. Et ensuite, vous cliquez donc, et vous faites attention que vous êtes toujours sur le calque où se situe le contour que vous avez tracé. Et vous cliquez à l'intérieur. Et normalement, vous avez la sélection qui s'est effectuée. Je vais élargir, étendre la sélection. Pour ce faire, je vais ici dans l'onglet Sélection, en anglais c'est Select, Modifier, en anglais c'est Expand, et je vais l'agrandir de 4 pixels. Toujours avec la sélection active, je reviens sur ma photo, donc le calque où se trouve ma photo. Et ici, je viens juste je vais copier la sélection donc, qui est maintenant sur le calque photo avec un CTRL-C et ensuite CTRL-V et ça vient, vous l'avez vu ici, ça m'a fait une copie de la sélection sur la photo. Donc concrètement, pour récapituler ici, j'ai un calque avec le contour en blanc, j'ai en dessous, j'ai le calque avec la photo et ici, vous voyez, hop, ici, dans le deuxième calque, j'ai uniquement ce que j'ai détouré grâce à mon contour blanc. Ce que je vais réaliser ici, pour faire ressortir encore plus la personne sur la photo avec le contour blanc, je vais flouter l'arrière-plan, qui est déjà un peu flouté, mais je vais augmenter cet effet. Donc je vais me trouver sur mon calque avec la photo complète. Je vais dans Filtre, je vais dans l'outil, alors en anglais c'est Blur, ça doit être flou en français, et je vais prendre un flou gaussien. Voilà. Et ici vous pouvez régler le flou, donc avec un nombre bas de pixels, c'est un flou très léger, et plus vous augmentez, et plus l'image devient floue, et là c'est tellement flou que ça en devient gris. Tout à l'heure j'étais à 5,5 pixels. Donc vous voyez que ça a eu pour effet de mettre encore plus le personnage que vous avez détouré en avant par rapport au fond. Et on pourrait très bien s'arrêter là et rajouter juste le texte ici sur la droite. Et ça vous fait une très bonne miniature. Il y a plein de vidéos sur YouTube avec ce type de miniature. Et il n'y a aucun souci avec ça, ça pourrait être très bien. Mais moi j'aime bien rajouter d'autres étapes, notamment je vais faire en sorte que l'arrière-plan soit colorisé. Donc pour ce faire, je suis toujours sur mon calque avec la photo. Et ici je viens tout en bas dans cet onglet-là, je viens choisir un calque de couleur. Alors en anglais vous choisissez Solid Color. Voilà, très important que ce calque soit au-dessus de votre photo et en dessous du personnage que vous avez détouré. Alors maintenant, vous allez, grâce à cette fenêtre, vous allez trouver et chercher la couleur que vous voulez. Voilà, donc là, vous vous dites, ok, ça m'a rempli de jaune, j'ai toujours mon personnage, mais l'arrière-plan, finalement, je ne l'ai plus. Eh bien alors, plusieurs solutions, soit vous pouvez jouer sur ce calque de couleur avec les différents modes de fusion que vous avez juste ici. Par exemple en produit, vous voyez que l'image de fond réapparaît. Expérimentez avec ça, il y a plusieurs modes de fusion. À vous de voir ce que vous voulez, l'effet que vous voulez.
Généralement, moi, tout simplement, je le laisse sur normal et je viens réduire l'opacité, ce qui fait que derrière, eh bien, il y a mon image qui réapparaît. Alors, ce qui est bien, c'est que votre calque de couleur, vous pouvez toujours y revenir pour changer et modifier la couleur. Juste vous double-cliquez dessus et vous avez cette fenêtre qui s'ouvre et vous pouvez, comme ça, par exemple, si vous trouvez que la couleur manque un peu de saturation, vous pouvez rajouter de la saturation. Voilà, maintenant je vais rajouter un bandeau ici, juste au travers de ma figure, pour mettre le titre de la vidéo. Alors pour créer ce bandeau, je viens prendre ici l'outil forme. Hein, donc si vous restez appuyé sur cet onglet, ici vous avez le choix entre différentes formes. Je vais garder ici l'outil rectangle. Et je viens tracer un rectangle ici dans la longueur. Hop. Pour la sélection des couleurs et tous les paramètres de ce rectangle, c'est en haut que ça se passe. Vous pouvez le remplir de la couleur que vous voulez. Et vous vous rendez compte que ici, bah, le rectangle, il est en plein milieu de ma figure. C'est pas ça que je veux, évidemment. Et ça, c'est lié au placement du calque par rapport aux autres calques. Donc, vous avez ici mon calque rectangle qui est tout en haut. Je vais venir le déplacer pour qu'il se trouve sous le calque avec le personnage qui avait été détouré. Voilà. Si vous double-cliquez sur ce rectangle, vous avez accès à la couleur. Vous pouvez changer la couleur. Alors juste un mot sur les couleurs et le choix des couleurs que vous pouvez faire. Là, c'est un sujet qui est très vaste et je vais juste vous en parler très très rapidement. Alors c'est comme en musique, il y a une théorie de la couleur et on va voir comment faire un choix entre ces différentes couleurs pour que ce soit assez homogène et harmonisé. Alors, si vous ne connaissez pas ceci, c'est ce qu'on appelle un cercle chromatique. Si vous voulez, c'est un peu l'équivalent du cycle des quintes, mais pour les couleurs. Et pour ceux qui regarderaient cette vidéo sans être musicien, eh bien, ne prêtez absolument pas attention à ce que je viens de dire. C'est vraiment un truc de musicien. Bon, comment on se repère sur cette roue chromatique, ce cercle chromatique ? Eh bien, dans un premier temps, ça peut nous aider à choisir des couleurs qui vont ensemble, et notamment des couleurs complémentaires. Les couleurs complémentaires, qu'est-ce que c'est ? Ce sont deux couleurs qui sont à l'opposé sur ce cercle chromatique. Hein, par exemple, je viens prendre ici du jaune. Eh bien, la couleur complémentaire du jaune, c'est celle qui se situe à l'opposé sur le cercle chromatique, donc ça veut dire que c'est du violet. Donc vous remarquez que, bah, voilà, pour faire un choix de couleurs, assembler deux couleurs entre elles, eh bien, vous prenez tout simplement des couleurs complémentaires, par exemple le rouge et le vert, ça va bien marcher ensemble. Ce qui marche bien aussi, c'est le orange avec le bleu turquoise bleu qui tient un peu sur le vert. Alors après, il y a plusieurs combinaisons. Par exemple, vous pouvez aussi prendre une combinaison de trois couleurs en faisant un triangle comme ceci. Hein, donc le orange, violet et vert jaune. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est un sujet à part entière. Si ça vous intéresse, vous allez sur YouTube, il y a plein de vidéos qui vous expliquent comment ça fonctionne et comment utiliser un cercle chromatique. Et donc si vous prêtez attention à ce que j'ai fait, aux couleurs ici que j'ai choisies, eh bien vous vous rendrez compte que j'ai choisi deux couleurs complémentaires, le violet et le jaune. Et si vous regardez mes autres miniatures, j'ai tendance à garder cette règle-là, deux couleurs et deux couleurs qui sont complémentaires. Donc ce que j'aime bien faire également, c'est transformer légèrement le rectangle qui est derrière ma tête. Donc pour ce faire, vous sélectionnez d'abord le calque rectangle et ensuite vous faites CTRL-T
Une fois que vous avez cette sélection, vous pouvez faire un clic droit et là vous avez différentes méthodes pour transformer ce rectangle. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Bien, ensuite je vais maintenant écrire un titre dans ce rectangle. Pour ce faire, je vais utiliser. Alors, je vais pas utiliser l'outil texte, justement. Je vais en fait l'écrire à main levée avec l'outil pinceau. Pour ça, je vais créer un nouveau calque. Je vais l'écrire en blanc avec mon pinceau et un pinceau sur lequel je peux varier l'épaisseur du trait avec la pression du stylet. Donc j'écris mon titre, en l'occurrence ici ce sera la miniature pour ma vidéo sur les intervalles. Voilà, donc j'ai réalisé ce titre à main levée, et pour lui donner un peu de relief, je vais tout simplement créer une ombre portée, ce qu'en anglais on appelle un drop shadow. Pour ce faire, je viens sur mon calque texte, et je viens tout simplement double-cliquer, et ici j'ai la fenêtre des options de style qui s'affiche, et je vais tout en bas dans drop shadow. Alors peut-être en français ça doit être ombre portée, quelque chose dans ce style, et je l'active. Alors vous pouvez, y a plein de paramètres à régler, je le laisse tel quel par défaut, c'est très bien. Voilà, donc vous voyez que ça donne un relief au texte si je l'enlève. Encore une fois, on pourrait s'arrêter là, ça peut être très bien, mais ce que j'aime faire également, c'est rajouter une sorte de sous-texte ici dans cette partie-là, juste en dessous du titre, cette fois-ci avec l'outil texte. Voilà, donc une fois que vous avez mis votre texte, vous en faites ce que vous voulez. Généralement, je laisse comme ça, je ne mets pas d'ombre portée à celui-ci. Alors là, on a quasiment fini, on pourrait en rester là. Ce que je fais, moi, généralement, c'est que je vais rajouter juste mon logo sur la gauche. Voilà, et puis ce que j'aime faire également, c'est retravailler un petit peu la couleur du personnage, enfin de moi en l'occurrence. Pour ce faire, je vais utiliser l'outil calque qu'en anglais se nomme Gradient Map. Donc je suis sur mon calque où j'ai détouré la personne. Et je vais en bas, je viens sélectionner ici, tout en bas, Gradient Map. Voilà. Et vous avez ça. Donc vous voyez ici que le calque est actif sur tous les autres calques. Je ne veux qu'il soit actif que sur le calque qui est en dessous, le calque où j'ai détouré la personne. Et donc pour ce faire, je vais appuyer sur la touche Alt et je viens placer le curseur entre les deux. Vous voyez que ici j'ai mon curseur qui change. Et je reste donc entre les deux. Je clique. Et ça n'a pas marché. Voilà. Et vous voyez que ici mon calque de graduation est venu s'accrocher au calque en dessous, donc il n'affecte uniquement les pixels qui se situent sur le calque qui lui est associé. Alors je vais pas détailler exactement le fonctionnement de cet outil, là encore si vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous pouvez aller regarder d'autres vidéos sur YouTube.
Mais concrètement, c'est vous allez demander à Photoshop d'appliquer une couleur, ou des couleurs en l'occurrence, sur la photo d'en dessous par rapport à la luminosité. Pardon. Donc ce qui est les ombres, vous allez pouvoir appliquer certaines couleurs. Dans les hautes lumières, vous allez aussi pouvoir appliquer d'autres couleurs et puis toute une graduation entre les deux. Voilà, donc ici vous avez à gauche tout ce qui a trait au ton sombre et vous avez ici sur la droite les tons clairs. Ce que je vais faire ici, je vais pour un peu harmoniser le tout, je vais mettre les couleurs, je vais jouer avec les deux couleurs que j'ai choisies pour le fond, donc entre le violet et le jaune. Alors ici l'effet est quand même un peu trop marqué, je vais l'atténuer et pour ce faire, alors là encore vous pouvez jouer avec les modes de fusion. Voilà, par exemple, ici c'est lumière tamisée, soft light en anglais, qui est pas mal, ça rajoute aussi du contraste, c'est peut-être un peu fort donc je vais réduire l'opacité. Encore une fois, c'est pas quelque chose de drastique, mais c'est uniquement pour donner un peu de cohésion à l'ensemble. Parce que vous voyez, si je l'enlève, donc voilà comment la photo était auparavant. Et là, je le remets. Donc voilà, on a des couleurs qui se marient un peu plus avec le fond. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto complètement hors sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui, cette fois-ci, sera sur la musique et la guitare.